Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Terminator Dark Fate. On reprend notre petit combat, enfin notre petit combat, notre gros combat. Je fais juste une petite aparté dans le sens où j'ai un peu changé la compo de ce que j'ai amené. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait j'ai dû recharger la partie. J'avais pris cette zone là et Légion a envoyé un transport volant qui est arrivé, qui a rushé toute la map, qui est arrivé ici, qui a posé des ref6, ils ont repris le truc instantanément et on a perdu la mission. Donc j'ai dit ok. Et donc il fallait qu'on refasse. Du coup j'ai rechargé la partie, j'en ai profité pour faire rentrer un camion de carburant. Parce qu'en fait le jeu ne nous fera plus rentrer d'autres unités. Et si on a des unités qui tombent en panne de carburant, c'est niqué, on pourra plus jamais les récupérer. Ce qui m'a également un petit peu blasé. Donc du coup, j'ai fait rentrer un camion de carburant qui va pour le moment pas servir. On va le poser par là. Mais dont l'objectif sera d'aller chercher les unités qui sont à sec. Et notamment, on a ce char en fait qui est complètement vide. Donc du coup, on va pas aller très loin avec. J'ai également remarqué un truc assez intéressant que j'avais pas percuté avec le camion, quand j'avais peut-être déjà percuté dans d'autres missions mais que j'avais oublié. C'est que tant qu'on n'a pas sécurisé le chemin devant, il avance pas. Donc en fait, si j'étais resté derrière sans prendre les points verts, il serait resté derrière. Donc bon, du coup on les a tous perdus sauf un, c'est pas grave, il suffit juste qu'on sauve celui-là. Ce qui devrait être tout à fait faisable. On avait cette zone-là au centre à nettoyer. Pour ça, on vient de rentrer de la du copain. On va envoyer le Sherman. Donc, il y a un autre truc aussi que j'ai vu, c'est qu'ici, il y a des zones de danger en fait, tout là. Donc, des renforts vont arriver en continu par ici. Ce qui fait qu'en fait, notre dos est en permanence menacé, donc il va falloir qu'on s'en occupe rapidement. Ici, on est en train de tenir notre artillerie, parfait. Ici. Il nous reste plus grand chose. On a un transport blindé. Là, il nous faudrait de l'ATGM. Toi, t'es trop loin, non? Non, ils sont à portée. Parfait, ok. Celui-là, par contre, on est à portée de rien. Sauf de l'artillerie qui, visiblement, est en train de tirer dessus. Ok, on va lancer les mouvements. Toi, tu vas te replier par là-bas. Ici du coup, on va essayer de se débarrasser de cette artillerie grâce à notre propre artillerie. J'ai rentré un Ivar, hein, donc ça vous le savez. On a quoi? On a du Bradley, ici on a une petite zone de combat, ici on a du Bradley. Encore du Bradley avec du monde dedans, un petit Abrams, le Sherman, un Striker avec de la TGM. Ok. On n'est pas tout à fait à sec, sauf ces deux-là, là. Très bien, donc du coup, l'objectif ça va être de sécuriser cette zone. Et sécuriser en haut également. On avait a priori éliminé la plupart des ennemis visibles. Ici on avait une plateforme de transport, et là un char. Ouf, ça a piqué. Et on a un Bradley tout seul face à ça. Tout seul de chez tout seul. Ouais, tout seul de chez tout seul, il y a un ATGM ici qui à la rigueur pourrait se débarrasser de ça. Toi, tu vas pas tirer. On va essayer d'économiser ta munition. Ok, il va falloir qu'on prenne ces zones. Ici on a quoi? Une petite unité d'infanterie, des Mulboom qui viennent avec des munitions. On va leur envoyer ça. Vous allez rentrer là-dedans pour recharger un peu. C'est notre Bradley céramique, donc il est plutôt efficace. Par contre ici, lui, s'il vient vers nous, qu'est-ce qu'on a là pour le gérer? De la frag. Une tourelle lourde. Avec un camion qu'il va falloir qu'on recule rapidement. Et sinon, en gros, on a juste des petits lance-grenades. Ça va être un peu mou. Ah si, on a le MV à plasma ici. Qui peut faire le taf. On va vite faire réparer avant que le char s'approche trop. Et il va nous falloir du renfort.
Donc en haut, ce serait pas mal de l'unité lourde. Vous, vous êtes des mitrasma, ok. On a de la TGM, de l'infanterie. Donc le Charman, on va l'envoyer ici. Tac tac tac. Ici on a un Bradley à sec, on va l'envoyer ici également. Transport blindé. On va les envoyer. Alors ça c'est un petit bâtiment à la con. On va les envoyer plutôt par là pour le moment, pas trop agressivement, avec de l'infanterie et de la TGM. Ce Bradley là, on va le remonter par ici. Ça c'est une escouade de combat. On va l'envoyer par là. Peut-être pas aussi agressif, on va l'envoyer par là. Ouais, notre ligne de front est là pour le moment. On va l'envoyer par là. C'est l'Abrahams que je voudrais. Il a de la munition, l'Abrahams. On va l'envoyer par ici pour essayer d'aller shooter les tanks. On sait qu'il y a deux tanks normalement. Hein. Je crois. Il y en avait deux sur la map. Ok, on les voit pas. Ici, il y a un truc. Plateforme d'appui de feu qui arrive par là, là. Sur des gens qui sont pas vraiment prêts à s'en occuper. Toi, récupère ça parce que tu l'as placé comme un cul. Tac, tac, tac. Ouais, eux, ils allaient par là-bas. Donc là, on a une plateforme d'appui de feu qui se... qui s'approche potentiellement. Et qu'on n'a pas ce qu'il faut pour gérer. On a un autre Bradley à l'arrière, là. Voilà, on va y aller. Bon, c'est parti pour les déplacements. La TGM qui part. Excellent. Parfait. On va peut-être les récupérer, eux, pour aller les replacer ailleurs, même s'ils sont tout seuls. Par exemple, dans cette maison, avec les snipers. Le char, visiblement, se met à tirer sur nous ici. Ok. Il serait probablement adéquat qu'on recule. Et qu'on avance avec notre Bradley, du coup. On va réactiver ses taux. On va venir le placer par là, pour qu'il puisse tirer dans le cul du tank. Ici, ils ont tiré un RPG sans succès, visiblement. Il va falloir faire mieux que ça. Alors, qui ne bouge pas? Ces deux véhicules ne bougent pas. On a quoi? De la TGM, du Ranger. Alors, les Rangers. Ah, ici, on se fait attaquer. Ok, par l'artillerie, c'est pas grave. Les Rangers. Les Rangers, ils seraient pas mal pour essayer de nettoyer cette zone-là. On va les envoyer par là. Et là, ATGM et armes lourdes. C'est plutôt là-haut qu'on en a besoin. Alors toi, est-ce que tu peux réussir à choper un angle pour shooter ça? Ça va être tendu, hein. Quoi, c'était sectionné ce truc-là? C'est quoi? Ah, c'est un SWAT. Ah oui, c'était les squads de... des Malboom. Vas-y, reste là, toi. Vois si tu peux trouver un angle. Bientôt, lui, il va falloir qu'on lui donne un ordre parce que le tank avance, donc on n'aura pas d'angle. Ici, on se fait tirer dessus par des meutes de loups. Ok, ça va. Jusqu'ici, ça me dérange pas trop. On va avancer avec eux, planquer derrière la maison. Toi, t'es à portée là? Pas à portée, hein, putain. Il faudrait que tu viennes te mettre genre par ici. Oh putain, le tir qui passe, on a réussi à en caler un. Ok. On va arriver dans ses fesses. Il a réussi à nous caler un tir. On peut quand même rouler. Il faut qu'on sorte de là. Putain, il est en train de faire demi-tour. Enfoiré. Aïe. Allez, tôt, tôt, tôt. Tire tes tôt. Pourquoi tu tires pas tes taux? Putain. Sa mère. Un deuxième dans le dos là. Système de visée endommagé.
On est trop proche pour des taux. On n'est pas trop proche pour des taux. Je sais pas ce qu'il fait. Il veut pas tirer. Aïe. Ah putain. On a perdu du monde là ou ça. Ici, parce qu'il y a des gens qui sortent par là. Ok. Il va falloir qu'on neutralise cette entrée. Est-ce que notre Ivar est en position? Notre Ivar est en position. Vas-y, allume ça. Ici, lui, il se fait tirer dessus par une spider. Bon, à la limite, ça l'occupe. Même s'il se fait un petit peu défoncer. Il va falloir que vous alliez vous en occuper, là. Alors, là, lui, il allait jusqu'ici. Le char, là. Le char, va t'occuper de ça. Sniper les tourelles. Pareil pour le Bradley. Il faut que tu avances jusqu'ici pour filer un coup de main. Là, on a un petit Humvee qui serait plutôt adéquat, je pense, pour pouvoir recharger nos ATGM, là. Toi, tu vas rester ici parce que t'as plus de carburant. Ça, c'est quoi, ça? C'est une tourelle, ok. Il va falloir qu'on s'en occupe. Là, on a la plateforme d'appui de feu qui progresse. On a quoi en face? On a toi. Ouais, écoute. Pose donc ça, là. Là, on a réussi à se débarrasser de l'araignée. Excellent. Progressez jusqu'à ce bâtiment-là, vous. Nous, on va poser la tourelle ici. Alors, le Sherman. Le Sherman, on va le mettre par là. Le Bradley. C'est le Bradley de Bob. On va progresser, je pense, jusqu'à là. On va avoir notre tourelle ici, non? Yes. Du coup, si je progresse sur une route... Là, c'est tout pété. Ce serait par là. Vas-y, viens te mettre par ici, puis tu lâcheras tes troupes. Le Sherman, sans soutien, il me fait un peu peur. On va lui poser... on va lui laisser un Mitrasma, quand même. Oh, les missiles qui volent, là. Excellent. Alors là, il y a eu explosion. Ça passe pas. Le temps qu'on en est où? Il peut plus tirer. Là, ça c'est cool. Par contre, toi, t'as réussi à tirer un taux, on dirait. Ok, parfait. Peut-être qu'on était juste un petit peu trop loin. Il y a beaucoup de monde là qui se pointe également. Un deuxième tank. Aïe aïe aïe, ça pique. Où en sont nos renforts, là? Toi, récupère ça. Lâche les snipers. Ils vont aller là-bas. Là, on continue de lui tirer dans les fesses, là. Toujours. Ah, ici, on voit des trucs. Des homoncules. Attends, on n'a rien ici pour tenir. Il vous faut avancer. On peut pas rentrer dans ce bâtiment-là, il est détruit. Zut. Traverser la rue. Donc toi, t'as plus de munitions. Normal, mais si t'arrives à nous débarrasser de l'artillerie, franchement, ce sera rentabilisé. Ok, on attend un peu. Les mouvements, ça c'est quoi? Un Bradley en route. Ici, on a du transport en route. Là, on a une escouade... de Malboom. Alors attendez, non, vous allez rester dans votre truc et on va vous avancer jusqu'ici. Vous prenez ce véhicule. Là, les mecs qui étaient dans le MV... Ah oui, c'est vrai, non, c'est eux, ils se sont rechargés en munitions. Ok, donc il y a les nouveaux qui sont là. Prenez cette position. Toi, t'es à sec. Toi, t'es bientôt à sec. Répare un peu. Là, on l'a défoncé. Excellent, canon. Il faut faire quelque chose là. Toi, t'arrives tranquillement. Tu vas aller déposer tes troupes là. Lui, il se fait tirer dessus. Toujours. Ce serait bien que tu viennes te planquer derrière. Être gardé en vie le temps de la mission, ça m'irait plutôt bien. Il y a un toit qui est parti là, ou ça, ou ici, excellent.
Ah, très propre ça, parfait. Là, est-ce que notre truc est tombé? Ok, on a, notre artillerie a fait des dégâts mais n'a pas éliminé ça, c'est pas cool. Par contre, ça a fait mal à pas mal de monde. Hein. Mais pas suffisamment. Ça, c'est bien dommage. Alors, Mitrasma, vous êtes descendu. Bâtiment très faible, bâtiment très faible, bâtiment faible. Bâtiment moyen. C'est un peu avancé ce bâtiment, mais on va le prendre. Toi, avec ton rail là. Ouais, tu couvres la sortie. Ok, ça va le faire. Lui va crever. C'est qu'une question de temps. On va récupérer ça du coup. Là du coup il faut sortir les gars. Il y a du monde. Oh, ça c'est du bâtiment très faible, ça va se faire démonter. Face à eux là, ils ont du SWO, c'est pas cool. Ah et toi aussi t'es face à du SWO là, ah putain. J'ai été un peu agressif avec lui, je voulais le ramener en mode vas-y on prend la ligne, mais en fait c'est pas du tout sécurisé donc c'est gênant. Ici. Recule. Et toi avance. Parce qu'on va se retrouver à portée de lui là. Ici y'a quoi qui arrive? Des homoncules. On a du monde ici qui est en train de glandouiller. Là, vous prenez ça, vous allez progresser jusqu'ici. Les snipers dans le grand bâtiment. La milice par là-bas. Ici, on tient la ligne. On a du Malboom. On va les poser là-bas. Ici, il faut qu'on progresse. En avant. Maintenant que l'artillerie est à peu près neutralisée, alors on va les laisser se recharger deux secondes. Alors non, attends, arrête-toi, toi. Il faut monter là-dedans. Le Ivar. Ça, c'est le carburant. Le Ivar, il est à sec. C'est combien déjà pour recharger? 400. Il nous reste 800, c'est plus assez. Ok, ici on va faire le taf avec la grenade. Toi t'as plus de munitions, ok. Donc on va plutôt remplir ça. Alors le char, normalement on a un Abrams et du coup... Un Bradley à peu près en état. Saloperie, il a fait un très bon tir, l'auto, excellent. Oh putain. Il a réussi à shooter le canon de notre tank. Il faut qu'on répare malheureusement. Et là on a quoi qui s'approche là? Une spider anti-aérien. Ok, donc ça veut dire que c'est lui qui est en train de l'allumer. Très très bien, normalement on a du renfort qui est arrivé là. Ouais, toi faut que tu viennes. Pareil, vous. Faut lâcher les troupes là. Là on va avancer un peu. Est-ce que normalement là, niveau sortie, pour le moment c'est calme. Faut absolument qu'on nettoie. Ah putain, il y a plein de plateformes là qui essaient de sortir. Il y a encore beaucoup trop d'homoncules sur le chemin pour qu'on aille les chercher. Ici, vous êtes rechargés les gars. Ok, go. On descend. On avance. Il faut prendre cette foutue zone.
Vous rentrez là-dedans. On dirait que l'artillerie a été éliminée finalement. Ah, peut-être que tous les missiles n'étaient pas tombés. Ah bah c'est parfait. Ok, ici on leur a fait mal. Il nous reste encore quelques taux. Ah putain, il tire ses taux dans la maison, ce con. Ok, on a réussi à réparer le tank, ça c'est cool. Il y a du monde qui arrive ici. Là, ils ont sorti beaucoup trop de trucs. Il faut qu'on avance. Il faut vraiment qu'on avance. Alors là, on a du mitrasma et une escouade anti-char. Escouade anti-char qu'on va placer là également. Ici, on a du malboom et du brouillard. Ok, ça c'est parfait. Ça va bien nettoyer. Juste qu'on les place à l'abri. Viens lâcher tes troupes ici, toi. Toi, pareil, progresse un peu. Toi, t'as plus de munitions, malheureusement. Ici. C'est bâtiment à la con, hein, tout ça. Hein. Mais faut qu'on avance. Donc, avancez jusqu'ici. Alors, c'était qui avait plus de munitions? Toi, t'as utilisé un taux. Ok, là, il y a un truc qui arrive. Là. Ouh, la plateforme d'appui de feu. Ça va piquer. Là, on va sortir, on va commencer à se préparer, à avoiner ce machin. Alors ça c'est pareil, ça doit être du taux qu'il a pu. On n'a pas réussi à le défoncer. Et au moins, il est inutile. Voilà, parfait, nickel. Ça c'est parfait. On va pouvoir commencer à s'occuper du reste. Alors toi, réangle-toi et après vous réparez. On a réussi à détruire des plateformes. Excellent. C'est pas fait encore. On a détruit une tourelle. On prend un peu cher. Ok. Ok, ils ont réussi à sortir la première partie de la base de données. C'est pas grave. On va se redéployer ici. Notamment, si on pouvait neutraliser ça, ça m'arrangerait. Vas-y, toi viens là. Là, ils ont réussi à faire sortir une plateforme classique ici. Tac tac tac. Là, faut qu'on progresse un peu. On a du taux avec ce transport, il y en a du monde également. Notre ligne de front est là. Il y a du monde. Il y a du monde à nettoyer. On va donc progresser en avant. Toi par là. Toi par là. Toi, va lâcher ton peuple par ici. On n'a pas trop de vision sur ce côté-là. On a réussi à éliminer ce qui traînait. Faut qu'on avance. Allez prendre ça. L'autre char là. Ok. Replie-toi. Visiblement, ça va nettoyer. On progresse. On progresse. Le Bradley qui est là. Ici, il va nous falloir de l'anti-véhicule plutôt, je pense. Ouh, t'es un peu agressif, toi. Ouais, carrément agressif même. En arrière. Ah putain. Ouais, ils se sont fait allumer au sol. On a réussi à gérer ça. Oh, par contre, toi, arrête de tirer dans les fesses de ton pote. Il est débile. Il est débile des fois, quoi. Ici, on tient. Toi, j'ai envie de te dire que tu seras peut-être plus utile ici. Arrive. Ça, c'est le char. Là, on va avancer avec ça. Toi, on va te poser où? Tu pourrais servir pour défendre ces zones, hein, je pense. Ici, il y a une belle ligne droite.
honte, on sait pas du tout ce qu'il y a, donc c'est peut-être un peu agressif. Où est-ce qu'on a perdu du monde là? Apogée, t'as perdu du monde face à quoi? Connard avec un canon sans recul. Purée. Pas cool. Hein. Vas-y, toi, déploie-toi par ici, on a besoin de toi. Toi, on a dit que tu prenais cette zone-là. Toi, tu vas réparer. Ok. Du coup, le Bradley qui est là. On a dit que on avançait. On va lâcher nos troupes par là. Toi, t'as récupéré ta petite tourelle. Peut-être que tu serais plus utile sur cette zone-là, en fait. Alors là, si on arrive à amener du carburant à lui pour qu'il soit un peu plus... ouais, on va te demander de venir par là, je pense. Tenir ce croisement. Ça y est, ils sont capables d'arrêter leur connerie. Ah putain, non, l'artillerie est toujours là. Elle se remet à tirer. Bon, il faut qu'on avance. Toi, tu risques pas d'avancer. Du coup, il nous faut toi. Il te reste 76 de carburant, ça fait pas lourd. Donc, on va avancer avec quelqu'un d'autre. On va avancer avec le bulldozer, tant pis. On va aller par là. Et on va avancer avec nos troupes légères. En avant. En avant. Ici, c'est pas mal. En avant. Ici, il faut qu'on progresse plus que ça. C'est parti, le Bradley. On va l'envoyer par là, soutenu par un petit striker. En dessous, on a quoi là? Ah, ils ont des hits, eux, c'est vrai, tiens. Par contre, il n'y en a qu'une seule. Waouh, ça pique. Essayez de progresser jusqu'ici, tiens. Il y a quelque chose qui a pété là. On va essayer de commencer à nettoyer cette zone là. Il va nous falloir plus de monde, bien sûr. Ça, c'est mort. Venez par là. Toi, tu peux réparer. Vas-y, répare. Toi, tu peux toujours pas tirer. On va avancer dans les rues. Les rangers. Allez par là. Et vous, vous êtes à la bourre. Par ici. Alors là, il tirait sur quelque chose. Non, ça c'est le vieux tank HS. On va donc progresser. Toi, t'es en train de te préparer à lâcher tes troupes, c'est parfait. Vous, vous avancez jusque-là. Vous, jusque-là. Là, j'imagine que on se fait avoiner par l'artillerie. Alors l'artillerie ça fait chier parce que si elle cale un bon tir, elle peut éliminer notre dernier camion. Hein. Ouais, viens nous filer un petit coup de main face à eux là, s'il te plaît. Ils ont du saut. Ah, ils ont du saut, fait chier. Donc il faudrait que tu viennes genre par là. Le char. T'as pas mieux que ça, toi? Ça, c'est quoi la portée de ce truc? Vas-y, avance un peu là. Faut les mitrailler, ces enfoirés. Toi, tu vas essayer de sortir par ici, voir ce que tu peux faire. Toi, tu tiens toujours par là. Ici, on a fait le taf, c'est toujours en flamme ça. Il s'est tellement fait défoncer le pauvre MV. Là, ce qui est embêtant, du coup, c'est qu'il y a une sortie là qu'on tient, une sortie là qu'on tient. Ok, c'est bon, tiens les sorties. Plutôt cool. Il y a ces deux là qu'on tient pas.
qui peuvent être gênantes. On va essayer de faire en sorte de changer ça. On va aller poser ça par là. Là c'est un petit striker de renfort. Il va, je pense, aller filer un coup de main à notre tourelle. Ici, toi, viens là. On va profiter des dernières munitions. On va bouger notre véhicule d'artillerie. Il serait certainement meilleur, bien mieux placé là. On peut pas prendre ça, on peut pas prendre ça. Ça, c'est de la merde, ce bâtiment. Restez là pour le moment. On voit que ça commence à bouger, là. Ok, ici, il y a une zone d'entrée, une zone d'entrée, maintenant. Il y a une zone d'entrée là aussi. Ah, il y a une zone d'entrée là aussi. Ça, c'est pas cool. Mais là, on a plus de pièces de réparation. Donc ici, il y a du monde qui peut rentrer. Il faut qu'on fasse gaffe. On va laisser toi qui n'as plus de munitions. Parfait. On va poser. On va progresser avec toi. Du coup... Ce qui serait pas mal peut-être, c'est que toi tu viennes dans cette maison. Bâtiment très faible, faible, ça au moins c'est du moyen, c'est déjà ça. Tac tac tac. Il y a une plateforme d'appui de feu qui est en train de rusher dans les. Dans la ville là. Qu'est-ce qu'on a pour l'arrêter? Du taux, pas mal. Pas si mal honnêtement. Du taux, une escouade d'infanterie. Voilà, défoncé, pas de soucis. Ça me fait pas peur. Alors, toi t'as plus de munitions. T'as utilisé tous tes hits pour zéro résultat. Classe. Très classe. C'est pas très très intéressant comme efficacité. Ok, ça c'est pris. Il faut qu'on se replace du coup parce qu'il y a des gens à éliminer. Le Bradley il avance. L'infanterie. Elle était à sec. On va l'envoyer par là. Ça y est. Ok, sniper la tourelle, le maire 1 là, il est excellent. On va progresser pour essayer de se faire l'artillerie parce que ça devient vraiment tendu. Elle nous casse un peu les roubignoles. Malboum, vous êtes où? Ok, ils ont tiré leur hit, ce qui a fait le taf. Je pense qu'il a dû se faire un petit peu trop overtuer lui, mais bon. C'est pas grave, hein. C'est pas si mal. On va avancer la ligne de front. Sur ce flanc-là, je trouve qu'on est un peu faible. On a un petit peu trop de monde peut-être, là. On va ramener le tank par ici. Ouais, on va ramener le tank par ici. Quoi, avance jusqu'ici. Parce que là ils sont en galère pour se débarrasser de ces cons. Cool. Not a problem. We put the research center system into stasis. Nothing's coming out of there. Just protect us from attack from anywhere else. What about the prisoners? You know where they are? They're inside the complex. We've deactivated the security, opened the cells, and are directing them toward you. Get ready to receive them, sir. Good work. Let's hope Major Stevens is with them. Ok, parfait. Et bah sur cette bonne nouvelle, on va arrêter l'épisode, je pense. Ah, excellent, elle est déployée, je l'avais jamais vu déployer. La plateforme de ravitaillement. On va arrêter l'épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.